Guy Bouchard. Maintenant que ma conversion est terminée, j'ai décidé de vous présenter ma vanne. Certains, au fil du temps, ont peut-être entendu nommer la vélo spécialité mobile parce que je suis propriétaire de vélo spécialité à Matane. Et certains qui m'ont vraiment poussé parce qu'ils voulaient absolument qu'elle ait un petit nom. Ben, quand on me le demande vraiment fort, le petit nom qu'elle a, c'est Greta. Puis demandez-moi pas pour laquelle, que ce soit Thunberg ou Garbo, c'est une des deux. C'est un GMC Savannah 2010, c'est un 2500, donc 3 quarts de tonne, moteur 4.8, j'ai chaussé ça sur des pneus BF Goodrich KO2, que je vous montrerai un petit peu tantôt, c'est très coché, donc c'est agressif, ça permet vraiment d'aller dans des sentiers de gravelle pas trop jolis, ce qui arrive à l'occasion dans mon cas. Oui, on voit que c'est une version basse. Pour moi, j'appelle ça un weekender. Cette vanne-là, c'est que je peux faire jusqu'à des trous de 2-3 semaines, comme j'arrive là de 2 semaines et demie dans le nord des États-Unis. Donc, c'est adéquat. Vous allez voir à l'intérieur tantôt qu'est-ce que ça donne. J'ai fait au fil du temps tout ce qui était à faire au niveau mécanique. J'en ai fait quand même pas mal parce que je voulais m'assurer qu'elle soit le plus fiable possible et j'ai eu zéro pépin. Vous voyez que j'ai un auvent, j'ai 3 panneaux solaires, j'ai 300 watts de solaire qui est plus que mon besoin, plus que suffisant pour mon besoin, même peut-être trop. J'ai une boîte de toit qui me sert à mettre actuellement juste de l'essence supplémentaire au cas où, mais qui peut mettre des skis. J'ai aussi une fan, une Maxair qui fonctionne super bien avec le système électrique que j'ai à l'intérieur que je vous montrerai. Dernièrement, j'ai refait la suspension, j'ai mis des ressorts neufs à l'avant et j'ai mis des amortisseurs Bilstein aux quatre coins. Ça a changé la vanne et plus le devant s'est relevé. Ça fonctionne super bien, puis les chemins sont pas très beaux, puis ça fait la job. On voit que mon porte-vélo à l'avant, mon Yakima, est installé à l'avant justement. À l'origine, simplement parce que j'étais pas capable en 2020 d'avoir un porte-vélo 2 pouces qui m'aurait permis de mettre un attache-remorque 2 pouces à l'arrière puis le mettre dessus. C'était non disponible, puis j'en vends, puis j'étais incapable d'en avoir, donc j'ai pris mon 1 pouce et quart, puis je me suis fait faire une attache-remorque avant adaptée. On le voit un petit peu ici. Et ça fonctionne super bien, justement, parce que le rack ne dépasse pas du côté des lumières. Et c'est sûr que quand on met les vélos, ben oui, ça peut cacher un petit peu les lumières, mais je roule très peu le soir. Puis à date, j'ai eu zéro problème, puis j'aime beaucoup ça parce que ça me permet vraiment de toujours avoir l'œil sur les vélos, puis moins de chances de me les faire écraser. En tout cas, si ça arrive, ça va être de ma faute. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut dire avant de passer en intérieur? C'est une 2010, comme j'ai mentionné. Ils sont très sensibles à la rouille dans les bottes de porte. J'ai fait refaire mes bottes de porte cette année, ce qu'on appelle les rockers. Ça fait 2 ans que je les refais moi-même. J'essaie de la garder le plus top shape possible. Ce que vous voyez là, c'est une prise d'air qui finalement est plus ou moins utile, mais à l'origine, je pensais que oui. J'ai posé moi-même une petite fenêtre à glissière. Encore là, que je fais attention de m'en servir parce que s'il pleut la nuit, ça me tente pas d'avoir de l'eau à l'intérieur. Et ce que je disais tantôt, les pneus KO2, c'est des roues GM Chevrolet d'origine que j'ai fait peinturer à la poudre par quelqu'un ici local qui fait une super belle job. Donc ça présente un petit peu l'extérieur de la vanne si vous voulez. On voit ici avec mon auvent, puis on va passer en intérieur. On entre. Un point qu'il faut que je mentionne quand même. Un des objectifs pour moi de cette vanne-là, oui, c'était d'avoir une conversion puis de pouvoir m'en servir, dormir et tout. Mais ce qui était important aussi, c'est qu'il faut que je puisse m'en servir pour le travail. Ce que ça veut dire, c'est que je vais le remontrer tantôt, c'est que ma plateforme de lit, qui est là, est en mode divan, s'enlève, puis je peux utiliser tout sur la longueur. Donc, je peux embarquer des vélos, des bois, des choses comme ça, parce qu'elle sert à ça une bonne partie de sa vie aussi, de travailler pour mon magasin. Donc, ça l'a dicté un petit peu l'organisation de la conversion. Et l'autre chose qui s'est passée au long de la conversion, c'est-à-dire, j'ai acheté la vanne en décembre, début décembre 2020, puis je voulais qu'on puisse s'en servir tout de suite. Ce que ça voulait dire, c'est que ça a été fait en plusieurs petites étapes, puis ça a été fait à l'envers.
C'est-à-dire, ou presque. Bon, j'ai quand même posé ma MaxFan tout de suite au début. Mon chauffage diesel qu'on ne voit pas présentement. L'isolation des murs. Fait que ça, j'ai fait ça rapidement. Mais après ça, vu que je travaillais en extérieur, je pouvais pas fermer puis faire la job dans le sens de ce qu'on le fait habituellement. Ça fait qu'on a commencé à s'en servir comme ça, avec des meubles qui avaient absolument pas l'air de ce que vous voyez actuellement. Mais au fur et à mesure, ben j'ai refait des choses. Je les ai refait au fur et à mesure, blablabla. Déjà le premier été, là, j'ai isolé le plancher. Fait que j'ai fallu que je la vide. Je remette les choses à l'intérieur, puis au fur et à mesure, je les améliorais. Bon. En bout de ligne, l'important, c'est que j'y suis arrivé. Et juste pour vous présenter un petit peu qu'est-ce que ça a de l'air, ce qu'on voit ici, ce que vous voyez au bout de mon doigt. Bon, ça, c'est mon meuble comptoir qui me sert à mettre mes ustensiles, mes ci, mes ça. Le gros tiroir du bas, ben, c'est un garde-manger. Et dans notre fonctionnement, nous, puis je pourrais mettre votre opinion là-dessus, là, notre frigo est attaché comme ça à l'avant entre les deux bancs parce qu'en roulant, on aime bien ça. Pas prendre de la bière, c'est sûr. Mais des fois, prendre du jus, prendre des choses comme ça, puis dans la façon qu'on le fait, bon, au fur et à mesure, ben, ça s'est placé comme ça. Donc, c'est un peu ça l'idée. Tantôt, je vous parlais aussi, étant donné que c'est une version base, vous en êtes bien conscient, ben, c'est vrai que ça marche pas, on peut pas être debout dedans. Fait que ça, c'est... Il n'y a pas de secret là-dedans, mais dans un optique de ce que moi j'appelle weekender, bon, tout mon comptoir ici, ben l'idée c'est d'utiliser un bain. Puis là, le bain, ben, c'est la toilette qui ne sert pas souvent, mais quand même des fois peut servir. Puis la toilette que vous voyez ici, sa place se trouve là. Et avec mes outils, ma perceuse, mes ci, mes ça. On voit le diesel, parce que le chauffage au diesel est sous cette plateforme-là au bout de mon doigt, donc accessible. Puis c'était installé dans les règles de l'art, là, puis ça fonctionne super bien. On s'est servi de la vanne à moins 20 et plus frais l'hiver, et ça fonctionne. La petite poubelle ici. Donc, ça voulait, à quoi je voulais en revenir? Ben le bain, je vais le faire. Ben, notre façon de fonctionner, c'est que si je cuisine ou que je fais, peu importe, je m'assois sur le banc, je suis juste à la bonne hauteur, je peux travailler sur mon comptoir pour cuisiner et tout, et ça fonctionne. Même chose, si on va aller du côté, on veut cuire quelque chose. Autre meuble, ça c'est le dernier que j'ai fait, c'est le plus beau, fait que j'imagine que je me suis amélioré dans mes techniques. Petit... Je vais juste enlever les différentes affaires. Propane avec un petit évier qui s'égoutte, je vous montrerai tantôt, là-dedans dans le réservoir d'eau grise. J'ai deux bidons pour l'eau claire. Et ce qui me sert pour l'eau, c'est cette petite pompe-là qu'on fait simplement remettre dans la bonne position. On tourne et si j'appuie, je vais tasser ma main. Voilà, rechargeable USB, ça coûte, je pense, à peu près 50$. Ça fait depuis le début de la conversion qu'on a ça, et ça marche très très bien. Donc rien à dire là-dessus. Fait que c'est au niveau de se fournir en eau. Le petit poêle au propane, c'est pas hyper puissant, mais comme c'est intégré dans le meuble, c'est pas gros. Ça se ferme comme ça, fait qu'en roulant, il n'y a pas de sonnette, il n'y a rien de ça. Ici, vous voyez moustiquaire, et j'en ai un autre là, pas trop bon, vision extérieure. Ben, on peut mettre les moustiquaires avec une séparation au milieu qui est un peu automatique, puis bon, ben, tout ça fonctionne super bien en période de mouche. Après ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça ici, tantôt, je vous montrais. Ben, c'est des armoires, petits boutons qui barrent, ben important. Et cafetière, et les petits amortisseurs qui font que, bon, ça monte tout seul, et on rebarre, ben important. Même chose là, même chose ici, dans la grosse armoire de côté, qui est très importante. Et pour la portion du bas, celle-là, je me suis cassé la tête avant de réfléchir à la bonne solution, qui était simplement... des trucs à glissière
Comme ça me permet de monter, descendre mon divan. Puis, il n'y a pas de problème. Fait que ça permet d'être fonctionnel. On voit un petit peu le mur ici avec la fenêtre latérale qui elle, a ses petits rideaux confectionnés par ma maman. Bon, le plafond est en lambris de pin. Les murs de côté, c'est lambris de pin aussi. J'ai utilisé beaucoup de merisier russe, si c'est le bon terme. Petit truc à pharmacie ici. Je voulais quelque chose de simple, ça ne me tentait pas de refaire un autre meuble. Des petites pochettes qui peuvent permettre de faire différentes affaires. Même chose, un petit hamac élastique au plafond. Ensuite de ça, caisson latéral. Ça c'est très important dans l'histoire de ma vanne parce que ce soit des outils ou autre, de ce côté-ci, ben c'est des trucs de pompe à eau qu'on utilise quand on est à l'extérieur. Ici, ma scie, si jamais il y a un arbre de tomber dans le chemin. Des courroies, toutes sortes d'affaires. Puis celui d'en arrière, ben, ça contient d'autres choses. Le jack là, en français, là. En anglais, c'est-à-dire pour si jamais on fait une crevaison. Fait que c'est très pratique. Ça permet de tout avoir dedans sans jamais zigonner après rien. Au plafond, là, j'ai débranché mon électricité, mais j'ai des lumières OLED qui sont installées là. Ça fonctionne super bien. D'autres petits filaments ici OLED, là, on va voir où ma main. Ça aussi, ça fonctionne bien, puis c'est très rigolo. Puis ça a un petit éclairage très faible, puis ça consomme très peu. Fait que ça fonctionne super bien aussi. Et vous voyez que les côtés ici sont pas finis. Puis je les laisse comme ça parce que je trouve ça bien pratique justement dans mon utilisation commerciale d'avoir mes straps attachés dans les trous. Puis quand j'ai besoin de quelque chose, c'est très facile pour moi de les prendre ou de m'accrocher ou peu importe. Et puis à ce sujet-là, ben, j'ai reposé des crochets en dessous. Puis tantôt par l'arrière, je vais vous le montrer justement pour que je puisse m'attacher si j'ai besoin. Ça ici, c'est le pied pour une table qui ressemble à une table Lagoon, qui est la compatible, la copie si on veut. Je ne m'en suis pas servi pour vrai, même si je sais que ça fonctionne bien. Et ce que je vous disais tantôt ici, dans le petit meuble, je ne sais pas si la lumière va. Oui, je pense que ça va être bon. Donc, réservoir d'eau grise et la bleue qu'il y a là. Deux réservoirs pour l'eau claire, l'eau potable. Et pourquoi qu'il y a de bonbonne verte, c'est que mon système est monté pour se brancher sur bonbonne verte. Je vous disais que dans ma tête, c'est un weekender. Ben, dans mon petit voyage de 2 semaines et demie en solo, j'ai pas passé une bouteille verte au complet. Fait que pour moi, je trouve que c'est la meilleure solution, là. Dans d'autres besoins, je suis conscient que c'est autre chose, mais pour moi, c'est correct. Puis, des petits rangements pratiques là-dedans. Je vais vous montrer l'électrique. Du côté électrique, c'est un petit peu coincé, vous ne verrez pas super bien. Mais j'ai une batterie Voltium 100 ampères-heure, lithium-ion, blablabla, là, vraiment. Sont super légères, puis on peut comme utiliser pratiquement tout le 100 ampères-heure. J'ai un DC, tout DC Renogy, un petit panneau de fusible dans lequel tout est branché. Je ne sais pas si vous allez voir, mais pas super, mais j'ai toutes sortes de machins, là, des interrupteurs, comme ça je suis capable de tout débloquer, puis de démarrer ou arrêter ça de toute façon, de façon toute indépendante. Donc c'est la portion électrique. Et le dernier morceau que j'ai ajouté dernièrement qui est l'onduleur à ondes pures de 700 watts de Renogy aussi, qui devrait servir pas tant que ça, là, mais c'est plus pour charger l'ordinateur, puis potentiellement charger les vélos à assistance électrique. Ça semble fonctionner, ce que j'ai testé jusqu'à maintenant. Là, vous me voyez, j'ai allumé un petit peu de lumière pour qu'on voit comme il faut. Là, je suis assis. Aller un petit peu dans le sens que je disais tantôt. Oui, la vanne n'est pas haute, mais assis comme ça,
c'est très confortable. Là, je vais vous tourner le dos, puis je vais mettre le lit en mode. Je vais mettre la banquette en mode lit. Puis ensuite de ça, je vais la relever en mode banquette. Fait que vous allez avoir une idée un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai quatre coussins sur mesure avec des housses. Fait que c'est très propre. Ça a de l'air professionnel, en tout cas, à mon avis. Puis là, donc, on est passé en mode lit. On met un drap, on sort de sac de couchage, peu importe. On est fonctionnel. Puis on a quand même une bonne hauteur. Et là, je vais la remettre en mode banquette. Pas très compliqué. Voilà. Item important que je ne voulais pas oublier, c'est que j'ai confectionné des couvre-fenêtres isolants. Donc, ça coupe la lumière et ça coupe le froid aussi. J'ai acheté un sac de couchage puis j'ai taillé ça. Puis, ils sont aimantés avec des petites poignées. Fait que c'est facile à mettre et à enlever. Puis, ça fait partie du succès de nos nuits froides hivernales. Donc, un item important dans notre kit. Via la porte arrière de la vanne, on voit la banquette. Même chose que la portion intérieure. On peut même s'asseoir à l'arrière comme ça. C'est une autre façon de chiller. Si je m'approche ici, entre autres, la raison du setup comme ça, c'est que sous la plateforme, on peut mettre des bacs. Donc nous, si on va faire du vélo, les trucs de vélo, des fois les trucs de ski l'hiver, fait que c'est bien, bien pratique. C'est pas d'un jambe. Je parlais que j'avais un isolant plus un prélard, mais j'ai quand même un truc de caoutchouc comme ça par-dessus, quasiment longueur, parce que je m'en servais commercialement. Je vous parlais tantôt caisson, très pratique pour tous les trucs à avoir. Et une affaire le fun dans le setup, cette armoire-là qui est à la verticale, que je peux ouvrir pour pouvoir mettre tous des trucs verticales. Comme les Maxtrack, les chaises de patio, la petite pelle, j'ai une autre pelle là-dedans, le petit barbecue, plein d'affaires qui peuvent aller à l'intérieur comme ça. Puis bon, c'est sûr que ça montre un peu les détails de construction. L'intérieur des armoires est moins beau que l'extérieur parce que ça a été fait en place comme je vous expliquais. Mais ça vous donne comment ça fonctionne, mon échelle de toit. Et je vous montre ensuite quand je suis en mode commercial que ça a l'air. En mode travail, ça ressemble à ça. Le plancher est complètement dégagé. La plateforme s'attache sur le côté. Je pourrais même stocker les coussins à cet endroit-là. Donc, je ne suis pas obligé de tout entrer dans la maison. Et juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, la plateforme glisse sur ces pièces métalliques-là qui sont renforcées, qui sont super bien attachées sur les côtés. Même chose du côté droit. Donc, la plateforme glisse là-dessus. Quand on l'enlève, ben, comme je vous disais, je l'attache sur le côté. Fait que ça dégage complètement la longueur. Je peux entrer des feuilles de contreplaqué pleine longueur là-dedans. Ça rentre sans problème. Je peux rentrer tout mon carton que je vais porter au recyclage. Je peux rentrer des vélos, des boîtes de vélos. C'est une partie de sa vie qui est utilisée au niveau usage commercial. Et ce qu'on voit un petit peu à l'avant, que vous n'avez pas vu tantôt, c'est que j'ai aussi un rideau noir qui fait la coupure entre l'avant et l'arrière. Désolé pour les bruits ambiants, on est en extérieur. Et je pense que ça fait le tour de l'explication de la conversion. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser, mais je pense que ça me permet de bien présenter ce qui a été fait. En un peu plus d'un an et demi, à partir de décembre 2020 jusqu'à octobre 2022.